Salut à tous, c'est Full Greg et on se retrouve pour la suite de The Order. Et on s'est arrêté là parce que le mec avait complètement fait exploser le ballon dirigeable et on se retrouve tout près de tout par terre, tout près du feu, tout le bordel, c'est tout cassé. Alors on continue sans plus tarder pour la suite. Vraiment, c'est vraiment cassé de partout. Il a vraiment fait le bordel le mec. J'espère que Perceval il va bien lui. Il y a quelqu'un devant. Tiens, vite, il y a quelqu'un. Je sais même pas où on va comme ça. Bon, t'es par là-bas, t'allais pas aller par là-bas. Non, bah allez, faut aller par là-bas. Non, si c'est ça. Bon ça. Tu peux t'attendre brûler le mec. Laisse tomber. Ah ça, ça pique. Hein. J'ai pas d'eau, je vais pas t'aider. Je m'excuse. Greg. Vite. Oh, oh sans réponse. Lizzie, je suis là. Lizzie, tu m'entends? Oh, je crois que c'était hyper sauvage ça. Oulalala. Dépêche. Lucan, Sagramor, Elian, on a perdu le contact avec Perceval et Galahad. Tous les chevaliers près de Crystal Palace en état de se battre, coopérez. Madame, on pense que personne n'a survécu au crash. C'est moi. Gray, répond. Où es-tu passé? Écoutez, Galahad est en vie. Trouvez-le. Je suis à fond dedans, là, Bonjour, elle est morte. Donne-lui un coup de potion magique. Seul. Vous deux allez au conseil. Gray. Ça va ici. Vous verrez à la succession. Mes pensées sont avec vous, monsieur. Mes condoléances. Messire Perceval était un grand homme. Le meilleur d'entre nous.
J'ai pris la liberté de mettre ceci de côté. Je sais que le protocole l'interdit. Ça, c'est une montre, hein. Je pense. Ouais, c'est ça. Avec l'emblème de. Eh ben, j'ai avec leur emblème. Enfin, quelque chose qu'on pourrait faire. Grayson. Ne pense plus à ce qui est arrivé. Laisse le temps faire les choses. Mais comment ? C'était mon mentor. Mon frère. C'est vrai. Mais concentre-toi plutôt sur les solennités à venir. Le reste peut attendre. Trop de questions demeurent à l'Aster. Je compte trouver des réponses. Mallory sera vengée. Ne te laisse pas envahir par les sombres pensées de la vengeance. Où la folie l'emportera. Allez, le conseil attend notre présence. Lord Hastings revient de la United India House. Il veut te remercier en personne de lui avoir sauvé la vie et celle de tout le monde sur le navire. La United India Company te doit sa reconnaissance. Pendant plus de 6 siècles, le chevalier Sir Perceval a fait partie de la confrérie. Il a vu des royaumes entiers périr et d'autres tout aussi éphémères prendre leur place. Il a connu l'émergence des hybrides et les a inlassablement poursuivis. Il fut témoin de toutes ces choses, car il a été béni par ceci. Le Graal, l'eau noire qui coule dans nos veines, le lien qui unit cet ordre, l'élixir qui guérit toutes les blessures et prolonge la vie du commun des mortels. Mais il ne peut assurer l'immortalité. Hélas, Sébastien Mallory, dit Sir Perceval, est mort. Le titre chevaleresque est donné par tradition dans notre ordre uniquement à l'occasion du trépas du membre honoré par ce fardeau. Génération après génération, des chevaliers ont repris le nom de leur saint prédécesseur. Nous voici réunis aujourd'hui en cette occasion solennelle. Du sang d'antan. Le Graal redonne la vie. Jures-tu, Marie-Joseph, Paul, Yves, Rock, Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette, de faire respecter les nobles préceptes de notre ordre? Fais-tu le serment de consacrer ta vie à notre cause vertueuse? Oui, de tout mon cœur. Vois, que le Graal t'offre la vie de l'outre-vie. Par cette communion,
tu es voué à notre ordre sacré. À présent, seul ton sang pourra remplir cette fiole. Que cette eau noire soit ton allié. N'en use qu'avec sagesse. Je t'adoube, Sir Perceval, serviteur de notre grand roi et chevalier de la Table Ronde. Lève-toi, Sir Perceval, et prends la place qui est tienne à notre table. Garde! Enlevez le corps de Sébastien Mallory de la chambre du conseil et mettez-le dans la crypte. La séance est maintenant ouverte. Que la terrible tragédie qui nous a tous frappés servent de leçon à ceux qui voudraient défier le mandat de ce bureau. Feu Sébastien Mallory n'est pas tombé en affrontant les hordes d'hybrides. Non. Il a succombé à sa propre folle témérité, en faisant fi de ceux qui ont juré de vivre conformément à un sens du devoir et du sacrifice. Pour quel résultat ? Grand chancelier, je dois... Les bâtiments détruits ! Des braves citoyens mis en danger. Des dégâts considérables causés à une propriété de la United India Company. C'est uniquement grâce à la Providence qu'une catastrophe plus grande encore a été évitée. Et ce faisant, pas un seul rebelle n'aura été capturé. Bien au contraire, par leurs actes isolés, les chevaliers en question ont rendu un service à l'ennemi. Le grand chancelier se montre trop sévère. Il devrait se rappeler que l'escouade de Sir Perceval a trouvé des indices prouvant que les rebelles attaquent. C'est satanée preuve indirecte. Spéculation, tout cela conduit à un véritable fiasco. Je ne veux plus rien entendre. Sauf votre respect... Asseyez-vous, Sir Galahad. Sauf votre respect. J'ai aussi perdu un ami. Plus qu'un ami. Un frère. Vous avez tort de ternir son nom de cette manière. Votre comportement frôle l'insubordination, messire chevalier. Je suis parfaitement conscient de ma responsabilité dans cette affaire. Et pourtant, si les mêmes événements se reproduisaient, j'agirais exactement pareil. Comme Mallory le souhaitait. Bonjour. Lord ! Sire ! Les rebelles ont bloqué le coche de Lord Hastings. Son escorte et lui sont piégés sur le pont de Westminster. Chevalier, aux armes! Protégez Lord Hastings! Éliminons ces rebelles impies une bonne fois pour toutes! Sir Galahad, l'affaire est loin d'être classée. Quelqu'un devra répondre de la mort de Sébastien Mallory. Vous pouvez en être sûr. Armez-vous! Et placez-vous en position défensive! Galahad, tes ordres. Allons-y. Messire Galahad, la diligence de Lord Hastings a été attaquée sur le pont. Pas sûr qu'il y ait des survivants. Lucan, Ygraine, Perceval, avec moi. Hastings est peut-être encore en vie. Il faut le retrouver. Ok, on a un problème vraiment là. Il a besoin de recours. Attends, change d'action, ferme. Tireur en vue. Voilà. Ah,
C'est qui ce mec là, le chevalier là? Attends, je suis caché. Là c'est vraiment la guerre, là, franchement c'est chaud marrant. Il faut faire sortir Hastings. Je vous couvre. Lucan, Ygraine, à mon signal. Sortez-le quand je lève la voiture. Bien compris. Prêt. Maintenant. Nous l'avons. Retournons vite au palais. Finir ce qu'on a commencé. La vengeance devra attendre. Ne fais pas n'importe quoi. Qu'est-ce qui est passé? Gray, arrête! Attends. Sors ta tête. Voilà.
En fait, ça m'embête parce que j'ai combien d'armes encore? J'ai pour 6 coups. Ça, j'aime bien, c'est Starbuck, j'aime bien, mais on va assurer pour l'instant. On peut encore la garder. Protégez le cadavre! Ne laissez pas passer! Ah, merde! S'il n'y a rien, ça m'intéresse. Là, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je prends. Ça ou est-ce que je prends l'arme que j'aime bien? C'est ça en fait. Oh, il va pas me voir. Suspense. Hé! Hey, vous deux! J'en veux un par ici et l'autre sur la droite! Allez, vite! Sentinelle 3, j'ai besoin de soutien aérien. Nous approchons de votre position, messire Galahad. Bien reçu. Chevalier droit devant, abattez-le ! Elle est bien, mais elle est chiante. Oh putain, je pense que... Enfin, attends, j'ai couvert les vite fait parce que... Du côté, ils vont me buter aussi. Qui s'approche ? Ah, attends. Vache. Les deux, je le pars. Je crois qu'il y a un repas. C'est un effort quand même. Je pense qu'on peut avancer. Oula! Je ne croyais pas le voir. Et à la caisse. Bon, je t'ai pas vu à la caisse. Oula! On me tire dessus. On me tire en haut. Ok, c'est par là-bas. Merde! Oui, bah, c'est bon, là, t'as des mots. Les rebelles battent en retraite. L'armée royale est en route et se chargera de contenir la menace ennemie. Il a arraché un bout de bras. Diable l'armée. Ce combat est le mien. On se requête. Merde,
Je lui ai pris notre canon. Monsieur Galad, le commandant des chevaliers nous demande d'abandonner la poursuite. Ça, je tourne un peu dans l'intervalle. Là, il est venu. Cache-toi un peu dans ça, si tu veux. Voilà, vas-y. Voilà, là. La vache, c'est la vache. La vache. On va te piquer, chef. Il tire dessus, là. Je crois pas qu'il tire dessus. Je veux bien, mais je ne peux pas. Oh, là-bas. Je là-bas. Je ne sais pas. 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 Je ne Ah, c'est chaud, pas le frontier. Pas le droit à l'erreur. Ah, c'est une vache. C'est un monde. Ouais, c'est clair. Il est dans le canon de la personnelle. Ça va, c'est ça, ouais. J'ai vu un gros missile, là. Mais il est pas mort, c'est un hyper pour eux. On va lui casser. Où est cette femme indienne? Où est-elle? Où est-elle? Où ça? Parlez! Parlez! Whitechapel, mon bordel! Où est Sir Galahad, Dame Graine? Sir Galahad est près de l'extrémité est du pont. Restez dessus jusqu'à ce qu'on arrive sur sa position. Wow. Hey! Une claque dans la gueule. Putain, laisse tomber. En même temps, faut pas le faire chier. Du coup, on a démoli la gueule à l'autre, hein. Patron! À boire! À boire, nom de Dieu! Absinthe!
Vous noyez vos chagrins ou votre ignorance, dites-moi. Tout faux. J'attendais que vous arriviez. Et ? J'ai besoin de réponses. Des réponses ? Vous avez tué mes hommes pour ça ? Vous semez la mort partout où vous passez. Et vous êtes la prochaine si vous ne me donnez pas ce que je veux. Veuillez m'excuser, mais votre offre ne me convainc aucunement. Je ne tolère pas les menaces. Vous ne m'êtes d'aucune utilité. Je vous en prie. Eh bien, que d'hostilité ? Je crois que ceci ne vous ferait pas de mal. De l'eau noire. Mais comment avez-vous... Commençons d'abord par établir une trêve. Papnatare Nechikono. Devi. Si cela vous rassure, gardez votre arme pointée. Mais c'est moi que vous cherchez, pas elle. Il y a beaucoup à discuter. Allons dans un lieu plus privé. Uma creciolto. Uma crebat karenge. Blakoko kom grecio. Apka ukumarani. Vous voulez venger votre ami Mallory. Vous n'êtes pas digne de prononcer son nom. On l'a trahi. On vous a tous trahi. Trahi? Par qui? Ce que vous appelez maître. L'ordre des chevaliers n'a aucun maître. Pas même la reine. Votre empire n'est fait que de lèche-bottes se prosternant devant la vénérable United India Company. Faites attention, ma chère! Cette honorable compagnie répand le fléau même que vous avez juré de combattre si vaillamment. Les mensonges d'une fanatique! Vous vous trompez d'ennemis. Nous luttons contre le même mal. Pourquoi devrais-je croire la parole d'une rebelle? Et d'un assassin! Nous sommes assez semblables. Nous n'avons rien en commun! La mort de votre ami ne doit pas être vaine! Assez! Donnez-moi une raison de ne pas vous tuer! Il y a pire que la mort, chevalier. Bien pire. Et si c'est la mienne que vous cherchez dans cette quête, alors très bien. Ma mort n'est pas un vain sacrifice. Niez-vous avoir attenté à la vie de Lord Hastings? Il mérite de mourir, au même titre que chacun de ses complices. Et vous vous attendez à ce que nous vous laissions mener impunément votre campagne de terreur? Les apparences sont trompeuses. La compagnie garde ses secrets, même aux yeux de l'ordre. Quel secret? Je n'ai pas de temps pour jouer! Je doute pouvoir vous convaincre par des mots. Mais je peux montrer des preuves qui vaudront tous les arguments. Les réponses se trouvent sur les quais de la compagnie de Blackwall Yards. Nous devons nous hâter. J'espère que c'est vrai. Pour votre bien. Les tunnels souterrains mènent à Blackwall Yards. Préparez-vous à lutter contre les gardes de la United India. Sauf ordre contraire, aucun innocent ne sera touché. Aucun d'eux n'est innocent. Ça ne change rien. Si vous voulez que je vous suive, il faut respecter mes règles. Entendu. Vous retournez déjà votre veste? L'ordre ne peut pas être mêlé à cette histoire.
Que savez-vous des Ampures ? Et voilà. Les ancêtres des hybrides. Une race ancienne née dans cet état normal. Eux n'ont pas été transformés. Ils ont disparu. Vous ne devriez pas parler d'eux au passé. Ils sont bel et bien. Ok, alors voilà. Cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Il s'est passé pas mal de choses. Un peu de castagne et beaucoup de parlotte. Un peu comme d'habitude, quoi. Mais bon, il était pas mal. C'était un bon épisode. Je trouve que c'était un bon épisode. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus ou verts. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, prenez soin de vous et ciao à tous.